Alléluia. Amen. Amen. En fait, c'est à 3 heures que la veillée vraiment commence. C'est me dire à ton ami, c'est maintenant que ça commence. Non, non, Dieu dit, c'est maintenant que ça commence. Alors nous allons prier. Que personne ne sorte, que personne ne rentre. On est là. La fin, c'est 5 heures. Tant que ce n'est pas 5 heures, personne ne sort. On est là. Amen. On a libéré juste le ratin parce qu'il doit aller à Lille, se reposer un peu parce qu'il part à Lille. Alors nous voulons prier. Alors nous allons faire, dans la première phase, 5 phases de prière. Où nous voulons dédicacer. Dis avec moi, dédicace. Tu vas dédicacer d'abord ta propre vie à Dieu. C'est une année nouvelle, c'est au début que beaucoup de choses se jouent. Tu rates le début et après ça sera difficile. Alors à partir de maintenant, tu vas prier pour ta propre vie. Les choses que tu veux voir arriver, que Dieu, que des choses que Dieu doit faire dans ta vie, tu vas commencer à les appeler et tu vas dédicacer ta vie à Dieu. Dédicacer, c'est aussi consacrer sa vie à Dieu. Amen. Alors là où tu es, élève ta voix, commence à prier. Et je vais nous demander de frapper nos mains pendant que nous sommes en train de faire nos prières de dédicace. Oh, je vois des gens qui sont assis. Pourquoi? Pourquoi vous êtes assis, s'il vous plaît? Nous sommes venus dans un combat. Nous ne sommes pas venus jouer. Donc on c'est vrai qu'on sera fatigué, mais après 5 heures, tu vas rentrer te reposer. S'il vous plaît, vraiment, je vous en prie. À moins que vraiment vous soyez malade. Si vous n'êtes pas malade, nous sommes debout. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous sommes debout, nous sommes debout. Commence à dédicacer ta vie. Commence. Pendant 5 minutes, nous prions. Dédicace ta vie. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Prie pour ta vie. Ta vie est trop importante. Ta vie est trop sérieuse pour que tu la consacres à Dieu. Prie. Shandaraba, sharabarabarabaraba. On nous a parlé, bien commencer l'année. Bien commencer l'année pour la finir en beauté. Prie, prie. Je prie pour ma vie, Seigneur. Je consacre ma vie au nom de Jésus. Prie. Je consacre ma vie à Dieu, à Jésus de Nazareth. Je consacre mon souffle de vie. Je consacre ma jeunesse. Je consacre, oui, oui, tout ce que j'ai à entreprendre tout au long de cette année. Je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas passer à côté de l'essentiel. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, de faire exactement ce que tu as prévu que je fasse tout au long de cette année, dans le domaine spirituel, dans le domaine émotionnel, dans le domaine affectif, dans le domaine, mon Dieu, oui, de l'entrepreneuriat, dans le domaine des affaires, dans le domaine des études. Je veux exceller cette année 2020. Je veux connaître l'élargissement dans mes domaines, Seigneur, dans tout le travail que je fais, dans le secret. Je veux connaître l'élargissement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise les limites. Toute forme de limite de ma vie tombe aujourd'hui. Toutes les formes de limites tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Là où mes parents ne sont pas arrivés, moi je vais y arriver. Là où mes parents ne sont pas allés, moi je vais aller. Je vais aller au-delà. Prions, prions, prions. Ceux qui sont dehors, que tout le monde entre. Personne ne doit être dehors. Les choses sérieuses se font ici. Je veux te voir courir. Prie pour ta vie. Ne dis pas qu'un sorcier s'est levé si tu n'as pas eu le temps toi-même de dédicacer ta vie. Toi-même recommande ta vie à Dieu. Oh, ma vie a de la valeur. Ma vie a du prix. Ma vie est importante. Non, ce que je fais, je ne suis en compétition avec personne. Mais je veux faire exactement ce que Dieu veut que je fasse. Alors, donne-moi les ressources. Je vais prendre les ressources. Je vais puiser, oui, mes capacités. Je vais maximiser ce que tu as mis en moi. Tous les talents, je vais les développer. Il n'y a aucun talent qui va rester en sommeillant. Non, je refuse. Au nom de Jésus, oh, je dédicace 2020.
vain élargissement à tous égards. Ayakaya baba 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 baba. Prie avec moi. Lo shine a man a glowful. Will a man that's can a glow for the look in the planet. Will a man that's can a glow for the look in the planet. Oh shaka. Si tu n'es pas encore marié, prie. S'il vous plaît, évitons la distraction. Même si vous êtes au service, priez. Priez, s'il vous plaît. C'est très sérieux. Sharakatakayakatama. Je dédicace ma femme. Je dédicace mes enfants. Elia, Peniel, Nathan. Je les dédicace à Jésus. Mes enfants vont te servir. Mes enfants vont te craindre. Mes enfants feront la joie de mon Dieu. Mes enfants seront la relève de demain. Ah, je bénis leur avenir. Je bénis leur progéniture. Ils réussiront. Ils iront de l'avant. L'esprit du monde ne touchera pas. Non, 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 non. Power. Sekaya kataka yakata baba baba. Rokaya mana sekaya baba baba baba. Braya kata mana brosokoto. Pri. Oh. Yaya rakata kaba yada baba. Je dédicace tous les domaines de ma vie. Et de rebeche kete kaye kata baba baba. Mariage, santé, finance, projet, affaires. Oh, projet. Mes projets vont réussir. Je te dis, mes projets vont réussir. Je les dédicace au nom de Jésus. Aucun projet ne sera avorté. Aucun projet ne sera rompu. Non, 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 non. Tu n'es pas le Dieu aux œuvres inachevées. Shekayakatakaya tababa baba baba. Yera kaya namana zikata yakata baba baba. Raya namana sheka. Alléluia. 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 Je déclare, il n'y aura pas de mort bizarre au nom de Jésus. Je déclare, aucune maladie incurable ne va te toucher, toucher ta famille. Je déclare, tu ne mourras pas. Je déclare ces choses. Je dis, tu ne mourras pas. Tu vivras. Ah, et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Si tu le crois, tu dis amen. Tu es en train de recevoir. C'est une soirée de dédicace. Une nuit de gloire. Je dédicace la vie de chaque membre de cette église. Aucun membre ne connaîtra un accident. Je dis aucun membre ne mourra par la sorcellerie, ne mourra par le mysticisme. Je le déclare au nom de Jésus. Je le proclame dans cette église. Vous réussirez, vos vies vont réussir. Là où il y avait la sécheresse, il va y avoir, tout va verdir au nom de Jésus. Tout va prendre vie. Il y a la sève de Dieu qui pénètre vos vies maintenant. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Frères et sœurs, avant de continuer, je suis venu nous dire ceci. Tu n'as pas quitté ta maison pour venir dormir. Sinon, il ne fallait pas venir. Nous sommes venus, nous faisons des choses très sérieuses. Très, très sérieuses parce que tout se passe d'abord dans le spirituel. Vous maîtrisez le spirituel, vous maîtrisez le monde matériel, le monde physique. Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions prier. À moins que vous soyez malade. Si vous êtes malade, il n'y a pas de problème, restez assis. Mais si ce n'est pas votre cas, tenez-vous debout. Demandez la force à Dieu, il va vous donner la force. Car nous sommes venus intercéder. Alors, nous allons dédicacer nos familles. Nous allons prendre 10 minutes. Nous allons prier pour nos familles. Tu vas prier pour ta famille restreinte. Tu vas prier pour ta famille élargie.
tu vas citer les noms de ceux qui ne sont pas encore en Jésus. Tu vas prier, tu vas les réclamer à la foi. Tu vas, ceux qui se sont égarés, ramène-les. Ceux qui sont malades, tu vas prier pour ton mariage. Là, nous prions pour nos mariages, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, leur futur mariage. Recommande tout entre les mains de Dieu. Ton mari qui ne prie pas encore, amène-le. Ta femme qui ne prie pas encore, amène-le. Tes enfants qui ne prient pas encore, amène-les. Commence à prier, cite leur nom, prions le Seigneur. Ne regarde pas ton voisin. Ma famille, mon père Jacques, ma mère Martine, et je recommande tous mes frères et sœurs, oui mes demi-frères, oui je recommande tous à la grâce de Dieu, aussi loin qu'ils sont, la main de Dieu le visite, que toute ma famille entende la voix de Dieu et qu'ils viennent. Je réclame le salut de mon père, je réclame le salut de ceux-là qui ne sont pas encore dans la foi. Amène-le s'il te plaît, touche-les mon Dieu, ma joie sera grande de les voir sauver, non avoir le matériel, mais le salut, la vie éternelle. Donne la vie éternelle, que ma famille soit sauvée, sauve ma famille. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je demande le salut de ma famille, je demande, oui, la restauration de ma famille, je demande que la main de Dieu touche ma famille. Oui, ceux qui sont dans le joug du péché, délivre-les. Ceux qui sont sous le poids de la condamnation, retire la condamnation, délivre de la malédiction. La Bible déclare, tu délivreras même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains, à la pureté de nos mains. Tu délivreras le coupable. Oh, robo, shanda, ma famille soit sauvée. Ma famille est sauvée. Sauve-les. Sauve Yamagi, Seigneur. Sauve. Sauve. Akmon. Sauve. Oh Dieu. Oh là, ceux qui sont dispersés. Sauve-les, mon Dieu. Ceux qui sont malades. Oh, de ma famille. Vois la maladie. Nous sommes impuissants, mais tu es puissant. Seigneur, je détruis la maladie depuis la racine. Que mes nièces soient sauvées. Que mes neveux soient sauvés. Que mes oncles soient sauvés. Que mes tantes soient sauvées. Où qu'elles soient, sauve-les. Tire-les de la boue. Oh, rabababababababa. Yanda rabashaka. Ne te fatigue pas, continue à prier. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. À prier, à supplier le Dieu du ciel. Le Dieu qu'il agit, qu'il agit. Mon Dieu agit. Oh, ça y va, 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 va. Oh, la calabashaya, babababababa. Nous brisons les chaînes qui lient nos familles. Les chaînes de la sorcellerie soient brisées dans nos familles. Priez au nom de Jésus. Brise les liens, brise les chaînes. Shaya rakatakama yandababa. Reka yandaba sakaya. Ukanamana vasikatakaya baba baba baba. Power, okaya. Shaya kaya baba baba baba. Alléluia. Alléluia. Je brise les chaînes des malédictions, des limitations de ma famille. Au nom de Jésus, je les libère. Je libère les membres de ma famille. J'arrête le processus de mort précoce, le mort bizarre. Au nom de Jésus, j'anéantis le pouvoir des réclamations. Il y a des réclamations sataniques. Il y a des liens de sang qui réclament. Ma famille est libérée. Ma famille est libérée.
Le sang de Jésus lave ma famille. Fire. Arakaya kataka manaze katakaya. Umbreze katika mayoko toko. Aya ramana zate mana soto bride. Bine mana skere glow for the look in the brain of Jesus. Jesus. Prie. Quelque chose se passe. Tu es en train de délivrer des familles. Je vois des tombes qui sont cassées. Les morts ressuscitent. Tout ce qui était mort de ta famille ressuscite. Au nom de Jésus. Alléluia. Les captifs sortent au nom de Jésus. Les pécheurs se convertissent au nom de Jésus. Les malades sont guéris au nom de Jésus. Ma famille qui a été divisée, j'ai pris pour la restauration. J'ai pris pour l'entente entre les frères et sœurs, entre les parents et les enfants. Là où il y avait la division, qui est l'unité, qui est la réconciliation. Oh, car l'unité est une force. Alléluia. Tu peux acclamer ton Dieu parce que Dieu t'a exaucé. Acclame ton Dieu. Acclame. Acclame le Seigneur. Acclamer, c'est aussi une expression de dire que c'est Dieu qui est victorieux. Celui qui a gagné. Avant de voir la solution, il a déjà gagné. C'est un vainqueur. Il y en a qui n'acclament pas, je dis acclame. Alléluia. Father, we thank you. Nous voulons prier encore. Nous allons dédicacer nos activités. Je ne sais pas, y a-t-il des personnes ici qui veulent entreprendre cette année 2020? Qui sont ceux qui veulent entreprendre? Qui sont ceux qui font des études? Qui veulent faire des études? Ok. Qui sont ceux qui travaillent et qui veulent une promotion? Ah, il y a des abstentions. Il y a des gens qui lèvent la main nulle part. Oula. Hein? Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, ne sois pas distrait. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Alors, tu vas prier. Nous allons dédicacer nos activités. Quand, si tu en as assez de ton salaire là, dis à Dieu, assez c'est assez. Je veux le double ou le triple ou je ne sais pas. Il te sera fait selon ta foi. Si tu veux entreprendre, dis à Dieu, donne-moi les idées de l'entrepreneuriat. Donne-moi les connexions divines. Mets sur ma route des personnes qui font la même chose que moi et qui vont m'aider à aller plus loin. Alors chacun va prier pour ses activités. Prie au nom de Jésus. Nous tapons nos mains. Prions. Dédicace ses activités. Rebrandaba Sankarabo Shakaya Baba. 2020. Je veux réussir financièrement. Je veux ma liberté financière en 2020. Seigneur, ces multitudes d'entreprises qui se créent, je prie qu'elles prennent de l'ampleur. Je prie qu'elles augmentent. Je demande une abondance et une surabondance. Père, selon la limite de ta poche, étant donné que ta poche est illimitée, je veux aussi une surabondance illimitée. Ah, je ne vois pas des gens prier. Prie. Amène ces choses vers toi. Ce que tu veux de Dieu, demande, appelle. On nous a parlé de l'arme de la prière. Nous sommes en train d'utiliser l'arme de la prière. Nous n'allons pas fuir les réalités en France. La situation économique ne nous fait pas trembler. Parce que nous dépendons de l'économie divine et non de l'économie de la France.
Dieu est au-dessus du système humain. Il est au-dessus du socialisme, du capitalisme, du communisme, tous les systèmes établis par les hommes. Il est au-dessus. Élargissement, élargissement dans mes études. Cette année, je déclare, j'aurai mon master et mon PhD. Je les déclare au nom de Jésus. Je vais avoir mon master et mon PhD. Tu me rends intelligent. Tu me rends capable. Tu me donnes les moyens. Tu me donnes les aptitudes. Tu me donnes les compétences. Seigneur, je refuse de tourner en rond. Je refuse de faire du surplace. Je veux progresser. Élargissement. Oh, dans cette année, dans mes connexions, qui est une augmentation, qui est une croissance dans la zone d'influence ministérielle. Oh oui, sur le plan des affaires, dans les ministères, dans l'église, au nom de Jésus. Oh oui, augmente Seigneur, augmente l'autorité, augmente Seigneur l'influence, augmente l'impact. Que cela touche au-delà de la francophonie. Je prie au nom de Jésus. Sharakata kamanda brasa kataba karaba baba baba baba. Les dérèves sautent brekata manda baba shaka. Les gens seront touchés par nos ministères, de près comme de loin. Les nations afflueront. Oui, des vies seront transformées. Cette année, je demande plus d'un million de conversions au travers de mon ministère. Plus d'un million de conversions au nom de Jésus. Prie. Que toutes tes activités fleurissent. Là où il y avait les blocages, finis les blocages. Ah, tu vas prier les gens qui te doivent. Que Dieu enlève la paix dans leur cœur. Qu'il te donne ce qu'il te doit. Prie avec moi. Alléluia. Alléluia. Oh Rabashaka ya baba baba baba. Nous allons prier. Nous allons dédicacer notre église. Nous allons dédicacer notre... Acclamons déjà le Seigneur parce qu'il nous a exaucés. Tu vas dédicacer ton église. Tu vas prophétiser le bien de ton église. Tu vas dire tout ce que tu veux que Dieu fasse tout au long de cette année. Alléluia. Tu vas bénir. Élève ta voix et commence à prier. Bénis ton église. Bénis ton église. Dédication là, dédication, dédication. Emma, Emmanuel. Prions, prions, prions. Aidez-les vos chikaya, mama. Et de l'évo chikamaya d'arabashikarabarabara. Nous dédicassons notre église. Nous dédicassons nos ministères. Que cette église aille de l'avant. Qu'elle croisse, qu'elle grandisse. Qu'elle reste fidèle à l'appel de Dieu. Que l'église reste fidèle au message que tu as donné. Reste fidèle, Seigneur. Et qui est l'impact, Seigneur, dans la ville. L'impact dans la région, l'impact Seigneur dans la nation et l'impact dans l'international au nom de Jésus. Demande-moi les nations et je te donnerai. Tu dis demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Je demande les nations, plus de nations, plus de conversions, plus de transformation de vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Emmanuel,
You are God, Abarata, Mama, 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 Soto, Korobo, Shika, Mama, Mama, Mama. Garde cette église contre toute influence satanique, démoniaque. Nous brisons les œuvres du diable. Nous détruisons les plans machiavéliques sataniques. Tous les projets de diable. Tremblons et sourds au nom de Jésus. Nous chassons les esprits de révolte, de rébellion, les esprits de Jézabel, tout esprit contraire à l'esprit de Dieu, dehors au nom de Jésus. Chandara, baba, 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 baba. Marche au milieu de nous. Marche au milieu de nous. Marche au milieu de nous. Alléluia. 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 Nous voulons nous tenir debout, nous tenir par la main. Nous voulons enfin dédier notre nation. Tenons-nous tous par la main. Si vous êtes malade, restez assis, tenez juste la main de votre frère, de votre soeur. Si vous êtes malade, restez assis, il n'y a pas de problème. Tenons-nous tous par la main. La Bible déclare de prier pour la nation. Je vais nous le lire. Et puis nous allons chanter ce cantique avant de prier pour la nation. Très souvent, nous critiquons les politiques. Nous critiquons la manière dont ils dirigent. Mais nous ne prenons pas le soin de prier dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 7, il est dit, je vais lire pour nous, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Amen. Il faut prier en faveur de la nation où Dieu nous a plantés. Certains d'entre nous sont venus de différents coins du monde, d'autres même sont nés ici, mais d'origine d'ailleurs. Cette nation nous a accueillis et il est de notre responsabilité, non de la critiquer, mais de prier pour elle, prier en sa faveur. Parce que la progression de la France, indirectement, c'est aussi notre progression. Alléluia. Alors nous voulons chanter ce cantique et ensuite nous allons prier pour dédicacer la nation. Alléluia. Jesus. Si vous croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'esprit et la France sera sauvée. Si vous croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'esprit et la France sera. La France sera sauvée.
Comme un seul homme, nous prions pour la France. Bénis la France. Prie pour le salut de la France. Beaucoup de Français ne sont pas encore éclairés par la lumière de l'Évangile. Prie pour que Dieu les touche, les visite. Prie pour que le voile qui est sur leur cœur tombe. Prions pour que les forteresses de raisonnement soient renversées. Que la lumière de Christ au travers du peuple de Dieu unis qui se lève dans toute la France et qui fait un travail remarquable, que Dieu accompagne son Église et que l'Église soit puissante. Prions, prions. Nous ne prions pas pour cette résurrection, mais nous prions pour la France et que Dieu utilise tous les chrétiens pour le salut de cette nation. Rindalabo shikamaya ndalabo shikama mama mama. Yendalabo shikama mama mama yodorobo shoroboro. Quelle onction ce soir, quelle gloire, quelle gloire. Quelle gloire de Dieu ce matin, quelle gloire de Dieu. Nous prions pour le salut de cette nation. Nous prions pour le président Macron. Nous prions pour tous les ministres. Nous prions pour les sénateurs. Nous prions, Seigneur, pour les députés. Nous prions pour les maires, les préfets. Nous prions pour les, Seigneur, les policiers. Nous prions pour tous les services. Oh, mon Dieu, donne-leur la sagesse, l'intelligence. Oh, Dieu, bénis cette nation. Oh, je crie à toi. Je crie. Crions pour la France. Y a-t-il des intercesseurs? Y a-t-il des intercesseuses? Y a-t-il le cœur de Dieu qui bat pour le salut? Quelqu'un peut m'aider à acclamer le nom du Seigneur très fort. Seigneur, tu peux tout changer. Écoutez. Quelle gloire. Quelle gloire. Nous allons prier pour différents cas, ne vous inquiétez pas. Mais nous devons d'abord intercéder. Nous devons d'abord prier. Je n'avais pas prévu ça maintenant, mais le Saint-Esprit veut que nous puissions prier. La Bible dit, dans Joël 2, il y a eu des sauterelles qui ont été relâchées pour ravager l'héritage des enfants d'Israël. Mais Dieu fait une promesse, il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Il y a eu des choses que l'ennemi a dévorées dans ta vie. Il a dévoré ta joie, ta paix. Il a dévoré les bénédictions que Dieu t'avait données. Il a arraché quelque chose tout au long de 2019. Alors, je dis bien, ce n'était pas prévu maintenant, mais l'Esprit de Dieu me pousse dedans. Nous sommes rentrés dans une nouvelle décennie, dans une nouvelle saison. Alors, tu vas te lever, tu vas prier, tu vas commencer à réclamer tout ce qui t'a volé.
Si tu peux te lever, commence à prier. Tu peux battre tes mains. Tout ce que l'ennemi a volé, si c'est ta santé, réclame cela. Si c'est ton argent qui est bloqué, réclame cela. Si c'est ta joie, réclame cela. Tu as le droit d'être en bonne santé. Commençons à réclamer, réclamons, réclamons. Est-ce que tu peux prier avec plus de ferveur? Prions avec ferveur, je réclame tout ce que la sauterelle m'a mangé. Tout ce que Dieu m'avait donné. Peut-être que j'ai été distrait. Peut-être que je n'étais pas attentif. Peut-être que je dormais, l'ennemi est venu se me livrer. Peut-être qu'il y avait l'assoupissement qui était entré. Seigneur, je demande ce soir, ce matin du moins, je réclame tout ce qui est à moi. Tu n'es pas au niveau où Dieu veut que tu sois. Le niveau où Dieu t'attend, c'est plus que ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu possèdes, c'est plus, Dieu a prévu plus pour toi. Alors commence à réclamer ça au nom de Jésus. Tout ce qu'il m'a volé, je réclame. Tout ce que l'ennemi m'a volé, je réclame. Au nom de Jésus. Oh, si j'ai perdu les âmes, je les réclame au nom de Jésus. Si j'ai perdu les messages, les révélations, je les réclame au nom de Jésus, je les récupère. Dans le même élan, tu vas maintenant prier, tu vas attaquer l'esprit de peur. Chasse l'esprit de peur dans ta vie, dans ta famille. Commence à prier maintenant. Chassons l'esprit de peur. La peur d'oser, la peur de faire des choses, la peur de servir Dieu, la peur à tous égards. Prie, prie, prie. Prions, prions, prions. Je chasse tout esprit de peur. Tout esprit de peur qui me paralysait. Je le chasse au nom de Jésus. Et je l'envoie dans le lieu aride. Maintenant au nom de Jésus, je suis libéré de la peur. Je suis libéré de la peur. Je suis libéré de l'esprit de servitude, de l'esprit de crainte. Ah, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu m'a donné. Un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ah, Dieu me donne le courage d'avancer. J'avance et je ne recule pas. Je ne fuis pas comme un fuyard, mais j'avance. Alléluia. Nous allons attaquer un autre esprit. Tu vas chasser l'esprit de distraction. Tu n'es jamais concentré. Quand tu te concentres, c'est pendant quelques jours, quelques mois. Après, tu es déconcentré. Il y a des choses qui ne sont pas d'importance, qui prennent la place dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, décide que tu ne vas plus tomber dans la distraction. Commence à prier maintenant, au nom de Jésus. Chasse la distraction. Demande à Dieu d'être connecté, consacré à l'essentiel. Ce soir c'est chaud. C'est chaud ce soir. C'est chaud ce soir. Les hommes de feu, les femmes de feu sont debout, en train de réclamer leur héritage. Au nom de Jésus. Tout esprit de distraction dehors au nom de Jésus. Tout esprit qui te pousse, qui me pousse à me focaliser non sur les priorités de Dieu, mais sur autre chose, dehors au nom de Jésus. Je déclare que je serai consacré, concentré sur l'essentiel au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Nous allons combattre maintenant tout esprit de contrôle. Tu es là, tu es contrôlé, tu es manipulé, peut-être à distance. Tu fais des choses toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Tu te demandes si c'est moi, qu'est-ce qui m'a poussé? Il y a une influence quelque part. Nous allons briser cette main-là. Qui veut qu'on brise cela au nom de Jésus? Ah, y a-t-il des guerriers ce soir? Qui veut qu'on brise cela? Tu vas briser tout esprit de contrôle au nom de Jésus. Commence à prier. Tout esprit qui contrôlait ta vie, consciemment ou inconsciemment, brise son impact au nom de Jésus. Sharakata karabo shekere bokoria mama. Yendere boshika ya darabo koria brata baraba shaka ya baba baba. Rakata karabo shika na barabara oshaka. Esprit de manipulation. Esprit de sorcellerie. Esprit de Jézabel. Je brise ton influence. Au nom de Jésus. Retire ta main. Retire ta main maintenant. Je suis sous le contrôle du Saint-Esprit. Je ne suis pas contrôlé par un mauvais esprit, mais je suis contrôlé par le Saint-Esprit. Prions, 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 prions. Sharakata karabo shekaya tabaraba. Yenerebo shikata babababababababa. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à ton ami, nous allons attaquer. Non, non, dis-lui, nous allons attaquer. Tape-le par la main, tape-le à la main. Dis, on va attaquer, tape-le, tape-le. Tape-le, tape-la, alléluia. Nous allons attaquer, nous allons attaquer. Nous allons maintenant attaquer tout esprit de paresse. Il y a des chrétiens remplis du Saint-Esprit, mais paresseux. Ils ne font que rêver des choses qu'ils ne vont jamais accomplir parce qu'il y a la paresse. Notre Dieu n'est pas un Dieu paresseux, c'est un travailleur. Alors tu vas chasser l'esprit de paresse. Paresse au niveau mental, paresse au niveau physique, à tous égards. Tu es là, par exemple, tu es un frère, un exemple, excusez-moi. Tu es amoureux d'une sœur, mais tu es paresseux pour aller te demander la main. Tout ça, ça va tomber au nom de Jésus. Oh, Dieu ne dit pas, mais tu veux faire le spirituel aujourd'hui. Quand vous venez dans mon bureau, vous m'embêtez. Aujourd'hui, ça va tomber. Alléluia. Je disais alléluia. Alors commence à prier. La paresse. Toi qui es à l'école, tu n'arrives pas à étudier. Tu attends la dernière minute des examens pour faire des études. Non. Tu vas demander à Dieu que la paresse tombe. Allez, commence à attaquer ça. Commence à attaquer. Shakatabarababababa. Je chasse tout esprit de paresse. Oh, rekaitekeriyoboshikayanabaraboshika. Rondoroboshikaye babababababababa. Brandabaraboshikayabarabaraboshidarabaraba. Yondoroboshikayanabaraboshikayabaraboshika. Yondoroboshika mayandabaraboshika mayandabaraboshika. Yondobrosotobo. Je paralyse la paresse. Au nom de Jésus. Dans cette saison, je déclare, je ne serai pas paresseux. Nous ne serons pas paresseux. Nous allons travailler diligemment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons attaquer l'esprit de retard. Dis avec moi, esprit de retard. Esprit de procrastination. Tu remets toujours au lendemain ce que tu vas faire aujourd'hui. Demain, 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 c'est fini. Tu es toujours en retard. On va chasser cet esprit-là. Si tu es sincère avec toi-même, dis Seigneur, en 2020, je vais être à l'heure. À l'heure au travail. Il y en a même qui arrivent en retard au travail. Après, quand on les licencie, ils disent ce sont des attaques. Ce ne sont pas des attaques. Tu es indiscipliné. Tu vas demander à Dieu de te donner la capacité d'être toujours à l'heure. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Voilà pourquoi des fois on est en retard même aux bénédictions de Dieu. Tu ne seras pas en retard par rapport à la bénédiction. Prie le Seigneur. Frère, c'est sérieux. C'est sérieux. Ce n'est pas l'occasion de rire. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Je chasse tout esprit de procrastination. Je ne remettrai pas au lendemain ce que je dois faire aujourd'hui. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans le même élan, nous allons chasser tout esprit de lenteur. Et nous allons demander à Dieu une accélération divine. Prie au nom de Jésus, prie. Shandabaraboshika. Ne te fatigue pas, mon frère, ma soeur, ne te fatigue pas. Nous sommes là pour prier. Tout esprit qui amène la lenteur, des choses que j'aurais pu faire hier, mais j'ai toujours reporté. Je te demande pardon. Seigneur, je vais les rattraper. L'esprit de lenteur me lâche. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons prier contre l'esprit de sommeil spirituel et l'esprit d'assoupissement. Des fois, tu te sens lourd pour faire les choses. Tu ne comprends pas cette lourdeur bizarre. Tu vas chasser ça au nom de Jésus. Tu vas demander au Saint-Esprit de te donner un esprit de réveil spirituel. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Chassons l'esprit d'assoupissement. Chassons cet esprit. C'est un esprit qui a voulu s'introduire dans l'église. Chasse-la au nom de Jésus. Arababababababashanda. Erebochenderebokoriabarabashaka. Erebochenderebokoriabashanda rabarabokoriaba. Robrosotorobokoriabarabashina rabakariabababababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu vins du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu vas du ciel. Tu vas du ciel sur la terre. Montrer ta voix. De la terre à la croix. Veillez pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau. Prendre place, asseyez-vous, mais ne dormez pas. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Oh,
Il est présent, il est présent, il est présent, il est présent, Jéhovah.
est ici, il 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 est ici. Oh, si tu peux sentir sa présence, il est ici, alors acclame le roi des rois. Il est ici, si tu peux sentir sa présence, il est ici, oh, acclame le roi des rois. Il est ici, si tu peux palper sa présence, il est ici, alors pousse des cris de joie. Si tu veux sentir sa présence, il est ici. Alors